Titre de l'histoire. La carte au trésor mystérieux. Il était une fois, dans un petit village, entouré de montagnes, quatre amis inséparables. Léo, Emma, Luca et Mia. Un jour, en explorant le grenier de la vieille maison de Léo, ils découvrirent une carte ancienne, jaunie par le temps. Léo s'écria : « Regardez ce que j'ai trouvé, une carte au trésor. » Emma demanda : « Un trésor ? Vraiment ?» Luca, curieux, demanda « Où est-ce que ça nous mène ?» Mia, avec un grand sourire, dit « Allons le découvrir. » La carte montrait un chemin sinueux à travers la forêt, passant par un ruisseau étincelant et finalement menant à un vieux chêne majestueux. À ses racines, un aix marquait l'emplacement du trésor. Les quatre amis décidèrent de partir à l'aventure. Ils préparèrent des sacs avec des sandwichs, des pommes et de l'eau, puis se mirent en route. Ils traversèrent la forêt, sautèrent par-dessus des rochers et suivirent le ruisseau étincelant. Bientôt, ils arrivèrent au vieux chêne. Leur cœur battait fort d'excitation. Luca dit : « Nous sommes au bon endroit. Cherchons le trésor. » Ils creusèrent avec leurs mains et découvrirent un coffre en bois ancien. L'ouvrant avec précaution, ils découvrirent des pièces d'or étincelantes, des bijoux scintillants et un message. Le vrai trésor, c'est l'amitié. Ils se regardèrent les uns les autres et sourirent. Ils avaient trouvé le trésor le plus précieux de tous, leur amitié. Le soleil brillait au-dessus d'eux tandis qu'ils retournaient au village, portant avec eux les trésors de l'amitié et le souvenir d'une aventure incroyable. Question 1. Où les quatre amis ont-ils découvert la carte au trésor ? Question 2. Qu'est-ce que la carte au trésor montrait comme chemin ? Question 3. Qu'ont-ils trouvé sous le vieux chêne ?
Question 4. Quel trésor ont-ils trouvé dans le coffre? Question 5. Quel message était à l'intérieur du coffre?